Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindustrie. On continue notre aventure mindustrielle, c'est le cinquième épisode. Et aujourd'hui, on va aller essayer de débloquer Il vient nous embêter celui-là. Ah ouais, le 36, c'est là où il y a la base ennemie. On va essayer de débloquer... Ah oui, je vais pas la voir ici. C'est... La foreuse mécanique, il nous faut la foreuse du dessus qui va nous permettre de récupérer du titane. Et pour débloquer cette foreuse, il faut qu'on aille dans Frozen Forest. Donc, menace faible, ça va être facile. Ouf. Eh ben, on va se... Vague dans... Il y a 15 vagues. Que je me rappelle des touches. Eh ben, on va déjà se faire du minage de cuivre. Hein. Alors, j'aime... pas mal le truc en circulaire. Là, on va en avoir pas mal. Avec après des routeurs. Et donc là, par exemple, hop. Voilà, on alimente notre base. 1800. Et puis on va pouvoir on va déjà créer notre défense, notre noyau de défense autour. D'autres routeurs. Un distributeur. Et puis les petits trucs de base qui sont pas mal, pas très puissants mais efficace contre l'air et la terre, les duos. Je me souviens plus ce qu'il y a de disponible sur le... Vous avez vu, ça consomme, on est déjà à 1300. Hein. Hop. Il y a du charbon. On a des coins avec du sable. Oh, il y a déjà une base, là. Oh, ça tombe, c'est une base ennemie, ça. Ah, mais non, c'est... Non, c'est ma base, ça. Ah non, c'est... Oui, il y a du charbon pareil. Il y a du sable par là. Ah non, c'est pas du sable. C'est du cuivre. Alors, il y a du cuivre, du charbon. Il y a du plomb. Re du plomb. Il n'y a pas grand chose là. Du cuivre. Ils sont où les ennemis? Du cuivre, du plomb. Oh oh, les structures abandonnées sont des vestiges brisés d'anciennes masses qui ne fonctionnent plus. Ces structures peuvent être déconstruites pour obtenir des ressources. Ah, il y avait des foreuses pneumatiques. Dommage qu'on puisse pas les récupérer. Grand mur en ferraille. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Ah, on a obtenu du... Bon, on l'avait peut-être déjà. Bon, ben, il n'y a pas grand chose en fait hein, sur ce truc. Alors on peut faire du graphite, puisqu'on a du charbon. Et le graphite, on peut l'utiliser. Alors je me suis fait un petit tableau. Hein. Alors, il fallait du sable hein, pour faire des trucs plus évolués. Mais le graphite, on peut l'utiliser avec. Ben, pas grand chose. Parce que le brûleur, c'est charbon pyratite. On peut mettre du charbon dans le brûleur. Mais les brûleurs, c'est des... c'est uniquement les terrestres. Et puis ça a une portée de 7 blocs. C'est pas terrible. Par contre, ça fait des gros dégâts. Ça fait des dégâts de 17. Donc c'est vrai que comme on a du charbon, on pourrait venir s'installer des brûleurs. Mmh.
ça. De où va venir l'ennemi? De où va venir l'ennemi? C'est ça qui est intéressant à savoir, en fait. Ah, il faut du graphite. Bon, on a déjà plus de graphite. Ok. Attendez. Faut que j'annule. Comment je fais pour annuler une... Voilà. Alors, ils viennent de par là. Alors, le graphite. Pour faire du graphite. Ah, bah, il faut du charbon. Ok. Je l'ai dit tout à l'heure. Tiens, prends ça. Prends ça, Marcel. Et il est costaud, lui, non? Ah, il va tomber sur nos petits duos. Allez, viens. Vache, il est costaud. Il est un peu costaud, non? Bon, on va faire du graphite. Petit routeur là. Hop. Donc, il nous faut bah, des presses à graphite. Alors attends, comment je vais passer? Toc. On va mettre une jonction ici. Et hop. Alors on va s'en mettre plusieurs de presse à graphite. Voilà. Et puis les brûleurs, eh ben on va aller les mettre. On va pas les mettre ici. On va aller les mettre très au contact. Il faut 22 graphites. Hein. Alors il y a un ennemi qui se pointe. Le voilà. Nos brûleurs ils sont trop loin. On va pas trop... Ça serait bien d'avoir les brûleurs de l'autre côté, en fait, hein. Comment on pourrait amener du charbon de l'autre côté? Y a pas du charbon dans le coin? Non, il faut plus de charbon. Que j'ai fait là. Pop, pop, pop. Alors le charbon pour le faire passer de l'autre côté, ça va être chaud. Encore faire un plat de spaghettis.
petit distributeur par-ci. Et quelques brûleurs. Il y a deux ennemis qui se pointent. Ils sont toutes, ils sont toutes. Ah, ils partent de là-bas. À tous les coups, un de ces quatre, ils vont essayer de passer par ici. Parce qu'en fait, il y a quand même de l'IA là-dedans. Ils essayent de passer là où c'est le plus facile. Donc quand il y a trop de trucs, en fait, ils passent... Ah ben, paf, ils sont passés là. Ah, brin. Stop, stop. Alerte, alerte, alerte. Il faut que je construise très très vite des défenses par ici. Ah, trop tard. Ils attaquent le cœur. Ils attaquent le cœur. Oh là 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 là. Les gars qu'ils ont fait. Alors attends, là il nous faut une jonction là. Par où ils sont passés? Ah, ils sont passés par en bas. Ok. Alors pourquoi ça passe pas? Parce que il manque un. Hop, voilà. On peut aussi leur amener du charbon. On va mettre un petit brûleur. Routeur. On a du charbon, on pourrait faire des arcs. Parce que là, par exemple, on voit que on pourrait faire du, on pourrait faire de l'électricité. On va produire de l'électricité. Ah, les arcs, faut du plomb, hein. Énergie produite. Ah. Voilà. Ça c'est une affaire qui roule. Roule. Qui roule. Qui roule. On produit pas assez d'électricité. Ouais, parce que tout part là. Tout part pour le graphite. On en a 228 de graphite. On en a peut-être moins besoin. Est-ce qu'il y a possibilité de récupérer du charbon ailleurs? Ouais. Je suis trompé. Plomb là.
On va aller se remettre. Va se rebrancher là. Alors, ce qui serait bien éventuellement, c'est d'alimenter le graphite, non pas à partir des trois trucs, c'est-à-dire mettre le routeur ici. Et donc. Ah, il crée automatiquement une jonction quand on fait ça. Ah, ça c'est cool. Alors hop, attends, démonte celui-là, on démonte celui-là, et hop. Alors c'était pas une jonction en fait que je voulais mettre, c'était un routeur. Et comme ça on divise pas par 3, par 8, puisque ça divise par 2, puis par 4, puis par 8, mais ça divise que par 1. Alors voilà les bestioles. À qui on peut filer du charbon? Bah les brûleurs. Je pourrais presque installer un petit brûleur ici, moi. Ouais, mais on va être loin du truc, hein. Pop, 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 pop. Ouais, on va être loin du truc si on fait ça. Ça, ils viennent souvent ici, hein. Alors attends, on va leur mettre un gros truc là. Puis comme ça va monter, on est qu'à la vague 6, on va leur rajouter un petit brûleur. On a du graphite, on en profite. On va ramener des arcs aussi. Donc on va remettre une ici, une ici, une ici, et on peut installer des arcs. Voilà. On est bien là, Tintin. Ils ont de l'énergie, énergie, énergie, énergie. Voilà. Oula. Non, ne pas utiliser le clic gauche. C'est une horreur. Ça, c'est dommage. C'est dommage qu'ils ne demandent pas confirmation quand. Alors attends, je l'ai pas mis dans le bon sens. C'est par là. Voilà. Quand on fait une destruction. Alors, il y a 5 ennemis qui se pointent. Ils arrivent par ici. Ta 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 ta. Ah, ils vont essayer de contourner. Non, ils arrivent. Non, bah, ils arrivent comme d'hab. Ils ont quand même fait un petit peu de dégâts dans la. Ah, les petits monstres. Alors, qu'est-ce que. C'est efficace les arcs, hein? Ça a l'air bien efficace, non? Ça a l'air cool. On va en rajouter d'autres. Surtout à des endroits où on peut pas plus. On peut plus passer d'autres choses. Alors, par contre, est-ce que après c'est assez chargé en électricité? Énergie, 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 énergie. Ouais, c'est plein d'énergie. Voir après comment ça se recharge. On va voir la consommation d'énergie. Parce que là, bon, le charbon, c'est bon, on a du stock partout. On pourrait se rajouter d'autres brûleurs. Bon, s'ils attaquent par ici. Non, un petit brûleur. On voit que c'est juste s'il vient là, hein. Vous avez vu là, celui-là, il a pas une marge. Il attaque que dans ce coin-là. Hein. Alors que lui, bon, l'arc, il est déjà plus. Alors, pff,
Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement habitué à vous faire des mouvements avec le clic gauche. Par contre, la molette, non, la molette, ça fait rien non plus. Non, la molette, c'est le zoom. Alors, septième vague qui arrive. Après, on pourrait aller les coincer directos là-bas, hein, mais il n'y a pas beaucoup de ressources. Mais bon, là, il y a du cuivre. Donc, on pourrait éventuellement déjà les diminuer, peut-être, quand ils passent par ici. Enfin, faudrait les bloquer. Faudrait les forcer à passer toujours au même endroit. Ouais, parce que là, ils ont changé de crèmerie, ces petits cochons-là. Ah, ils viennent du côté où c'est moins défendu. Ah, les sauvages. Oh là 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 là, il y a du dégât là. Oh, il y a du dégât. Ah, vache. Bon. Et B. Ouf, pouf. Du coup, j'ai explosé. Alors attends, on va réparer. Oula. Alors attends, faut. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Un routeur ici. Jamais ça se. Ça s'arrête de péter là. Oh! Donc ils nous ont pété notre génération d'électricité. Vache, ça crame encore. Et puis il n'y a pas d'eau sur cette maudite planète. Comment on peut faire pour l'éteindre? Vache, la prochaine vague. Alors attends, on va poser parce que là on n'est pas dans le brun. Il faut qu'on recrée des, faut qu'on fasse des défenses là. Alors, comme ça, mais là il faudra amener du cuivre. Non, je fais que des brûleurs. Je fais que du brûleur. Du brûleur et de l'arc. Donc routeur. Voilà, de l'arc. Attends, il manque un plot ici. Vache, il fait le tour là-bas.
Alors, vache, c'est costaud. Ouais, on s'est fait déborder, on s'est fait déborder par les côtés. Bon, faudra se souvenir de ça. Du courage quitte. Et on essaiera de faire mieux au sixième épisode. Là-dessus, je vous souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine. Allez, salut!